RMH Web Radio vous présente tous les jours Prière Matinale, de 6h à 7h, présentée par Dany L et son équipe Prière Matinale. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Le repas du départ, le petit déjeuner à ne pas manquer. Tous les jours, du lundi au vendredi, sur Radio Miroir d'Haïti. RMH Web Radio vous présente tous les jours Prière Matinale, de 6h à 7h, présentée par Dany L et son équipe Prière Matinale. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Le repas du départ, le petit déjeuner à ne pas manquer. Tous les jours, du lundi au vendredi, sur Radio Miroir d'Haïti. RMH Web Radio vous présente tous les jours Prière Matinale, de 6h à 7h, présentée par Dany L et son équipe Prière Matinale. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Le repas du départ, le petit déjeuner à ne pas manquer. Tous les jours, du lundi au vendredi, sur Radio Miroir d'Haïti. RMH Web Radio vous présente tous les jours Prière Matinale, de 6h à 7h, présentée par Dany L et son équipe Prière Matinale. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Le repas du départ, le petit déjeuner à ne pas manquer. Tous les jours, du lundi au vendredi, sur Radio Miroir d'Haïti. RMH Web Radio vous présente tous les jours Prière Matinale, de 6h à 7h, présentée par Dany L et son équipe Prière Matinale. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Le repas du départ, le petit déjeuner à ne pas manquer. Tous les jours, du lundi au vendredi, sur Radio Miroir d'Haïti. Prière est la clé du matin et le verrou du soir. Le repas du départ, le petit déjeuner à ne pas manquer. Tous les jours, du lundi au vendredi, sur Radio Miroir d'Haïti. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés, à toi seul le règne, à toi seul le règne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés.
sens, la gloire pour toujours. Don't
Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce bénie. Ce matin, cher Seigneur, nous venons devant toi pour te demander la direction de notre journée. Merci, roi des rois. Ce matin, Père, nous voici devant toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous protéger, de nous garder pendant la journée. Merci pour ta grâce bénie. Ce matin, Seigneur, tu nous connais que personne. Et ce matin, Seigneur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour être là ce matin. Malgré, personnellement, Seigneur, la santé ne nous permet pas, justement, de prendre le micro ce matin, mais nous avons fait l'effort. Oui, Seigneur, je fais l'effort ce matin, car je me suis dit, le diable veut fermer ma bouche. Mais pour l'instant, je peux encore parler, même si c'est avec beaucoup de difficultés. Mais ce matin, je suis là pour te donner gloire, honneur que toi seul le mérites. Merci, cher Seigneur. Merci, car tu nous as gardés pendant la nuit. Tu nous as protégés, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour nos frères et sœurs qui sont connectés ce matin et qui vont écouter cette prière. Je te demande de le bénir ce matin. Je te demande, Seigneur, d'être avec eux. Il y en a, Seigneur, qui sont malades, comme moi-même ce matin, Seigneur, mais qui a besoin de ta guérison, Seigneur. Je proclame la guérison sur moi-même, Seigneur, et sur tous les autres qui sont malades ce matin. Wadewa, merci pour ceux qui sont déjà sur la route pour aller au travail ce matin. Je te demande, Père Saint, de les garder, de les protéger. D'avec eux, Seigneur, car tu connais, Père Saint, la difficulté de la route, cher Seigneur. Et ce matin, Père Saint, nous prierons pour ceux qui sont encore au lit. Ou ceux qui vont aller, ceux qui vont se réveiller ou se coucher, Seigneur. Ils sont devant toi, Père Saint. Je te prie pour notre serviteur, frère Calodor, qui va nous conduire dans la prière ce matin. Bénis le Seigneur. Avec le Seigneur, conduis les personnes. Inspire le Seigneur que toute parole qui sortira de sa bouche sera de paroles bénies. Bénis-le, Seigneur. Que ton nom soit béni. Je te prie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Et encore, c'est un plaisir de vous rejoindre ce matin, malgré les difficultés. Je crois que depuis mercredi,
C'était la dernière émission qu'on avait, c'était mercredi dernier. Et bien, depuis ce jour-là, je peux vous dire que nous sommes très malades. Et jusqu'à maintenant que je vous parle, je ne me sens pas à 100%. Je suis peut-être à 30% là ce matin. Mais je me suis dit, il va falloir que je vienne vers vous ce matin pour réclamer votre prière et pour demander à Dieu et pour montrer au diable qu'il ne fermera pas ma bouche ce matin. Et justement, si vous voyez que vous ne m'entendez pas trop fort, et je suis désolé parce que je ne peux pas parler plus fort, et malgré que j'ai mis le micro et avec pas mal de volume, mais voilà, c'est à ce volume-là que je peux parler ce matin. Et car nous avons très 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 mal à la gorge. Et depuis, je peux dire depuis jeudi et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison que vous n'avez pas eu prière matinale jeudi et vendredi. Donc ce matin, je tenais bon à venir m'excuser devant vous et de vous dire tout simplement, c'était pas ma volonté, mais c'était plutôt la santé et qui nous permettra pas d'être avec vous ce matin, ces deux jours. Mais ce matin, nous sommes là malgré tout. Et encore que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Et encore, je réclame votre prière. Je réclame votre prière car nous, j'aimerais bien, on va dire, de reprendre normalement. Mais on va écourter un petit peu les choses ce matin parce que, comme je viens de vous dire, je ne peux pas parler et beaucoup car j'ai beaucoup mal à la gorge ce matin. Et sans plus tarder, j'ai vos saluts dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et que le Seigneur soit avec vous. Et encore une fois, merci. Et vous qui êtes connectés ce matin pour écouter la prière matinale, ou encore ceux qui vont écouter cette prière après. Sans plus tarder, mes amis, comme je viens de vous dire, on va écouter les choses pour que je parle beaucoup moins. Nous allons passer directement à la prière matinale ce matin avec notre frère Calodore qui va nous conduire. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous et bonne écoute à vous. Frère Calo, bonjour. Bienvenue sur Radio Miroir d'Haïti encore une fois, mon frère. Et le micro est à toi ce matin. Soyez bénis. Frère Daniel, bonjour. Nos auditrices, nos auditeurs, je vous salue fraternellement dans le précieux, le beau nom de notre Seigneur Jésus. C'est un réel plaisir d'être avec vous et sur l'antenne Radio Miroir. Je te remercie, Frère Daniel. Et comme je l'ai dit bien souvent, c'est une grâce, c'est une opportunité pour moi de faire partie de cette émission prière matinale. À la première, dont nous encourageons les internautes, nos auditrices, nos auditeurs, ou qui soient. Donc, vraiment, de mon côté, moi-même, ça me fait énormément plaisir de faire partie de l'un des intervenants dans cette si belle émission prière matinale que nous encourageons à chacun de partager cette émission, de liker cette émission. Donc moi, je l'ai fait à travers mon répertoire. Donc c'est ce que j'encourage et vraiment j'exhorte à chacun de faire ce travail comme le PDG a l'habitude de dire, le frère Daniel. C'est de cette manière dont vous pouvez aider cette émission, aider cette radio et encourager aussi notre
bien-aimé Frère Daniel et toute sa famille, que nous souhaitons bon courage dans ce travail et que Dieu vraiment à travers toi puisse et bénir, encourager et d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc, nous te saluons, cher ami, et nous saluons toute ta famille, et que Dieu te protège, que Dieu soit avec toi. Et nous saluons également nos collègues, et l'évangéliste Polira du côté d'Haïti. Que Dieu veille sur toi, mon frère. Que Dieu te protège. Notre pasteur Bonnel également en Haïti. Dieu veille sur vous, cher pasteur. Et du côté en France, nous avons nos pasteurs Méritus et Dieu Juste. Que la sagesse d'en haut vous couvre. L'humilité de Christ vous soit donnée. Nous saluons également nos diaconesses Ida et Suzy. Que Dieu prenne soin de vous, mes bien-aimées sœurs. Et nous avons une pensée également pour notre évangéliste Sterling. Et c'est nous qui tenons, qui faisons cette émission par le biais de notre Seigneur Jésus qui nous donne force et courage, qui nous permet, que nous assurons malgré la fatigue, le découragement, parfois la maladie même. Nous disons merci à Dieu pour chacun de vous et aussi pour notre bien-aimé, le frère Daniel. Encore un bien-aimé, nous vous saluons. C'est votre frère, c'est votre bien-aimé, votre serviteur, le frère Carlo, avec vous encore ce matin. Vous savez, et dès que vous entendez cette voix, vous savez bien, c'est votre bien-aimé, le frère Carlo. Nous allons faire une lecture, mes bien-aimés. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Nous lirons le verset 14 jusqu'au verset 21e. Matthieu 17, du verset 14 jusqu'au verset 21e. 14e verset du livre de Matthieu, chapitre 17. Le 14e verset jusqu'au verset 21e. Je lis pour vous le verset 14. Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit: Maître, aie pitié de mon fils, il est épileptique. Il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus s'écria: Jean, mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri. À ce moment même, les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline « Déplace-toi d'ici à là-bas. » Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais ce n'est pas la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Dieu grand et fort, Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu de tout le temps, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui parle aux mauvais esprits, le Dieu qui parle à la mer, le Dieu qui parle aux vagues. C'est ce Dieu que tu es, d'éternité en éternité, tu n'as pas changé. Celui qui a fait ces genres de miracles dans le temps passé, celui qui a frayé un chemin au milieu de la mer Rouge, celui qui a délivré son peuple, celui qui a délivré Daniel dans la fosse au lion, les trois Hébreux Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Tu es ce même Dieu aujourd'hui, tu ne changes pas. Des fois, nous pensons que tu as changé. Des fois, nous avons
les soucis, les difficultés, nous pensons que tu as changé. Mais dans ta parole, il est dit, dans Hébreux 13, verset 8, tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Moi qui te prie, Seigneur, je sais que tu n'as pas changé, tu es le même Dieu. Parfois, tu tardes à venir. Parfois, tu ne veux pas répondre, tout simplement. Je sais, Seigneur, que tu n'as pas changé. Tu as le même pouvoir, celui qui peut tout faire, celui et que rien n'est impossible à lui, celui qui parle aux démons, celui qui parle aux mauvais esprits, celui qui parle au vent, celui qui parle aux vagues, celui qui parle à la mer. C'est ce Dieu réel que tu es, vivant que tu es. Et je sais que tu n'as pas changé. Que ton peuple comprenne ce matin, Seigneur, que tu es ce même Dieu. Tu fais encore des miracles, tu fais encore des prodiges. Il suffit que nous mettons notre foi en toi. Que nous agissons notre foi en toi. Sachant que tu peux tout faire. Amen. Amen. Mais bien aimé, dans ce passage que nous venons de lire, J'ai prêché sur ce passage quelques semaines de cela dans une réunion de prière où j'ai parlé de l'importance du jeûne et de prière. Et ce matin, je voulais vous introduire en prière dans ce passage, dans ce même passage. Pourquoi ? C'est juste pour vous également et encourager de l'importance de la prière et le jeûne. Parfois, mes bien-aimés, il y a des situations, il y a des moments qui vous poussent à prier deux fois plus, qui vous poussent à faire trois jours de jeûne, que nous appelons, nous, jeûne d'Esther. Oui, parfois, il nous faut vraiment chercher la face de Dieu pour être exaucé. Mais dans ce passage, j'avais pris trois exemples. Dans ce passage, nous avions vu et trois exemples très, très importants. Il a parlé de la prière et du jeûne, mais là aussi également parlé de manque de foi et de la foi que nous devrions avoir. Donc, mes bien-aimés, nous pourrons, ça me fait comprendre que nous pourrons prier matin, midi, soir. Mais quand nous n'avons pas de foi en Christ, quand nous doutons, nous ignorons que ce que nous demandons, Dieu peut le faire, eh bien, rien ne peut arriver. C'est ce qui se passait aux disciples. Les disciples priaient, mais c'est Jésus même qui leur avait reproché, leur disant, gens de peu de foi. Et nous voyons qu'il a ajouté plus loin, et il a dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, il y a d'autres versions qui disent comme un grain de sénévré, vous diriez à cette montagne de se déplacer, vous diriez au vent, tais-toi, vous prierez pour les malades seront guéris. Et en troisième phase, il rajoute, ces gens de démons ne sortent que par et la prière et le jeûne. Pour entrer en prière, cela me fait comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes bien-aimés, et il y a des moments qui nous arrivent dans notre vie, il faut que nous prions, il faut que nous recherchions la présence, la face de notre Seigneur. Et nous devons vraiment placer notre confiance en Dieu, sachant que c'est lui qui peut tout faire. Et quand il parle, les démons obéissent à sa voix. La mer fait silence devant sa voix et tout lui obéit parce qu'il est le Dieu omnipotent, le Dieu qui peut tout faire, le Dieu de l'impossible. Donc, mes bien-aimés, c'est ce Dieu que nous allons implorer pour ceux qui sont malades, pour ceux qui traversent des moments difficiles, qui traversent des moments compliqués. Nous allons dire à notre grand Dieu de la même manière dont il avait guéri cet enfant qui était malade, possédé, lunatique, et nous on pourrait dire malcadi en Haïti, et je ne sais pas quelle maladie vous souffrez ce matin, quel démon et par lequel vous êtes possédé ce matin, mais tout ce que je peux vous dire, l'Éternel des armées peut chasser les démons, l'Éternel des armées peut parler aux mauvais esprits, et quand il parle,
l'éternité l'envahit. Les démons s'enfuient. Ça me rappelle un homme également qui était possédé par des démons, des légions. Et quand on parle des légions, nous avions comparé les légions comme et l'armée et russe et l'armée ukrainienne en guerre en ce moment. Quand on parle des bataillons, des légions, c'est 2000 à 3000 hommes par légion, par bataillon. Et dans une histoire biblique, nous voyons qu'il y avait un homme qui était possédé par des légions d'esprits mauvais. Par des légions. Donc, qui veut dire, cet homme était possédé, était lié par des milliers de démons. Et Jésus l'avait délivré. Bien aimé, c'est ce même Dieu que nous servons. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas changé. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Faisons-lui confiance tout simplement. Nous allons rentrer en prière. Wadewa, Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et le dernier, et Yahvé Rapha, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui peut tout faire, le lion de Juda, oui, le lion de Juda, le puissant guerrier, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom devant lequel tout genou doit fléchir, le nom quand nous citons ce nom, les démons sont tourmentés, les mauvais esprits sont tourmentés. Quand nous citons ce nom, les mauvais esprits sont tourmentés. La mer fait silence, les vagues se calment. La mer se calme. Et dans ta parole, il est dit, quand tu parles, la terre est épouvantée de ta voix, tellement tu es puissant. Papa, maintenant, mais nous pouvons bien bas devant, majesté, autorité, nom, puissance, nom, pour nous élever bien haut, pour nous dire que c'est vous-même qui, Seigneur, qui n'est pas l'autre bon Dieu tant que d'éternité en éternité, dit ta parole, tu es Dieu, oui, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Papa, maintenant, mais nous pouvons nous bien bas devant, majesté, autorité, suprématie, nom, nom qui est au-dessus de tout autre nom, nom devant lequel tout genou doit fléchir, nom quand nous le citons, effectivement les démons sont tourmentés, les démons ont des problèmes. C'est ce nom que nous invoquons ce matin et en diverses paroles qui nous confirment la grandeur, la beauté, la magnificence de ton nom. Ta parole dit, quand je m'écris loué soit l'Éternel, je me suis débarrassé de mes ennemis. Wadewa, c'est vous-même qui n'a invoqué matin. Seigneur, nous voulons, Seigneur des Seigneurs, qu'on fasse comprendre à peu près matin l'importance de te chercher, l'importance de te prier, l'importance d'invoquer ton nom. L'importance au Seigneur Jésus de te chercher en prière, l'importance de te chercher en jeûnant. Nous comprenons, Seigneur, par le biais de ce chapitre, et Matthieu chapitre 17 que nous venons de lire. Il y a dans des combats que nous nous trouvons, Seigneur, nous devons avoir recours à toi. Et c'est ce que je te demande, c'est ce que je te réclame ce matin, Seigneur. Nous avons nos auditrices qui se trouvent dans des combats. Nous avons des auditeurs qui se trouvent dans des combats. Nous avons nos bien-aimés, mon Dieu Papa peut-être, et animateurs qui se trouvent également dans des combats. Moi qui prie pour ton peuple, Seigneur, je me trouve dans des situations difficiles, compliquées. Mais je confirme ce matin, je te dis, Seigneur, tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es capable, ô roi des rois, d'échanger les cours des choses pour tes servantes et tes serviteurs. Il y a, ô roi des rois, des bien-aimés qui ont besoin de toi ce matin. Il y a des bien-aimés, Seigneur Jésus, qui ont besoin que tu parles pour eux, Seigneur de Tout-Puissant. Ô roi des rois, nous invoquons, nous implorons ton nom ce matin.
parce que c'est dans ton nom, ô roi des rois, se trouve la victoire. C'est en ton nom, ô Seigneur des Seigneurs, qui se trouve la délivrance. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que se trouve la guérison. Donc ce matin, Seigneur, nous avons des bien-aimés qui nous écoutent, qui sont malades. Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison dans leur corps, dans leur âme, dans leur chair, dans leur vie. Nous déclarons la guérison pour eux, Seigneur. Il y a des personnes, ô mon Dieu, Papa, qui sont tourmentées. Il y a des personnes, ô Seigneur des Seigneurs, qui sont possédées par des mauvais esprits, ô roi des rois. Mais ce que je sais ce matin, Seigneur, tu es le Dieu capable de tout faire. Tu es le puissant guerrier. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es celui qui parle au flot en demence. Tu es celui, ô roi des rois, qui détient l'autorité absolue. Tu es le Dieu qui parle, hein? Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui console, tu es le Dieu qui délivre ce matin, Seigneur, roi des rois. Nous nous approchons vers ton trône de gloire. Nous remettons, Seigneur Jésus, nos auditrices, hein? Nos auditeurs, au nom de Papa, qui nous écoutent hein, ce matin sur l'antenne Radio Miroir du Tout-Puissant. Ceux qui nous écoutent en direct à l'instant même, ô mon Dieu Papa, nous te demandons de jeter un regard favorable sur eux. Tu connais la vie de chacun bien-aimé, roi des rois, de chacune de tes servantes, ô roi des rois, sur l'antenne Radio Miroir qui nous écoute, sur chacun de nos bien-aimés, sur chacun de tes serviteurs, ô Seigneur des Seigneurs, qui nous écoutent. Du haut des cieux où tu y es, je sais que tu vois leurs problèmes, tu vois leurs difficultés, tu vois leur détresse, tu vois leur maladie, tu vois leur souffrance. Et au nom de Jésus, nous demandons au Papa fait intervention dans la vie chaque monde matin, Papa. Wadewa nous besoin, Wadewa nous besoin parler pour nous, Wadewa nous besoin agir pour nous, Wadewa nous besoin, Seigneur, qu'on calme vaillot. Wadewa nous voulons qu'on étonne ennemi yo, qu'on étonne wadewa moun qui dit nous pas chamayen yo. Nous voulons Seigneur qu'on étonne moun, mon Dieu Papa, qui va nous défi matin. Nous qu'on prend défi ou qu'on lève défi. Donc Papa, mais nous devons matin, Papa. Peuple a besoin matin. Peuple a besoin matin, Seigneur. Peuple a besoin parler pour yo. Peuple a besoin dire un mot pour yo, Seigneur Jésus. Pas qu'un autre monde qui a dit un mot pour vous. Pas qu'un autre monde, au Seigneur des Seigneurs, qui est capable de faire un bagage pour vous. À part que vous-même, Seigneur, qui gagne toute puissance. Mais maintenant, mon Dieu, Papa, nous comprenons aussi, par le biais de ce passage dans Matthieu chapitre 17 que nous venons de lire, nous voyons également, Seigneur, que nous avons besoin de la foi. Augmente-nous de la foi. Donne-nous de la foi, Seigneur des Seigneurs, comme les disciples t'avaient réclamé, Seigneur Jésus. Oui, oh Pierre, t'avais demandé, oh Pierre, mon Dieu Papa, t'avais demandé, augmente-moi la foi. Les disciples qui voyaient Pierre marchant, roi des rois, sur la mer, comme toi tu marchais, les gens, les disciples même pensaient que c'était des fantômes, c'était un fantôme. Mais tu leur avais rassuré, tu leur as dit, n'ayez pas peur, c'est bien moi. Et tu avais ordonné, tu avais recommandé à Pierre, au roi des rois, de marcher aussi sur l'eau, ce que Pierre commençait à faire. Mais dès qu'il eut le doute dans son cœur, dès qu'il commençait à se douter, mon Dieu Papa, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé. Il commençait à couler. Oh, roi des rois, toi, tu leur avais reproché, mon Dieu Papa, mais pourquoi as-tu douté? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Seigneur des Seigneurs, nous voyons, c'est ce qui est arrivé, ô mon Dieu Papa, aux disciples, ô mon Dieu Papa, malgré ils étaient avec toi, malgré, Seigneur des Seigneurs, ils savaient qui tu es, Seigneur Jésus. Ils marchaient à un Dieu puissant, ils marchaient à un Dieu qui parle aux démons, qui guérit les malades, qui fait toutes sortes de qualités, de miracles. Mais eux-mêmes, ô Seigneur des Seigneurs, ils doutaient. En priant, Seigneur Jésus, il n'avait pas pris autorité, mon Dieu Papa, comme Pierre, ô roi des rois, ô qui avait dit, ô paralytique, prends ton lit et marche. Nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons au nom de Jésus,
prend ton lit et marche. Ça, c'est la foi, Seigneur. Et nous avions vu qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage au roi des rois. Oh, c'est cette personne, oh mon Dieu, qui a ramené, oh mon Dieu, papa, et son fils vers les disciples, pour que les disciples puissent prier, mon Dieu, papa, et pour que cet enfant retrouve la guérison. Nous voyons, Seigneur des Seigneurs, les disciples ont prié, les disciples ont beaucoup prié, Seigneur des Seigneurs, mais nous voyons qu'ils n'arrivaient pas, oh mon Dieu, papa, à guérir ce petit enfant, roi des rois. Même eux, ils étaient étonnés. Même eux, ils étaient étonnés, Seigneur Jésus. Oh, quand ils ont vu au roi des rois, ils ont fait tout le temps des possédés pour que cet enfant puisse retrouver la guérison, mais qu'il n'y arrivait pas, Seigneur Jésus. Mais toi, tu es arrivé, Seigneur des Seigneurs. Tu n'as pas parlé beaucoup. Tu n'as pas fait de simagrie, Seigneur Jésus. Tu n'as pas fait de spectacle au Seigneur. Tu as juste en parlé au Dieu Tout-Puissant et cet enfant était guéri. Oh, dans ce passage, mon Dieu Papa, oh, cette lecture nous montre quand et cet esprit, oh mon Dieu Papa, oh, venait sur cet enfant. Cet enfant était possédé de cet esprit mauvais, Seigneur Jésus, qui le tracassait, qui le jetait dans le feu. Oh, Seigneur des Seigneurs, grand pile monde qui est dans la même situation matin. Il y a un pile monde, oh mon Dieu, papa, qui a souffert d'une manière ou d'une autre matin. Au nom de Jésus, nous demandons de faire intervention pour vous, papa. Oui, wadewa. Nous, les disciples, pas de cap chasser des démons, ça. Nous, les disciples, mon Dieu, papa, pas de cap chasser mauvais esprit, ça. Nous, les disciples, Seigneur, mon Dieu, pas de cap guérir, oh, ce petit enfant qui était possédé, qui était malade. Et c'est toi qui leur as dit, oh, quand les parents disaient, nous avons ramené notre enfant à plusieurs reprises vers tes disciples, maître, ils n'ont pas pu guérir ce petit enfant. Et toi, tu es venu, Seigneur, tu as juste dit un mot. Toi, Seigneur, tu es venu, tu as juste parlé. C'est pour ça, Seigneur, nous avons besoin que tu parles pour ton peuple ce matin. Nous avons besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu dises un mot pour ton peuple ce matin, Seigneur. Tu sais parler encore, tu peux parler encore, tu sais agir encore. Oh, le Dieu, oh roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, qui a délivré ce petit enfant, oh roi des rois, cet enfant, oh, de cette maladie lunatique, oh mon Dieu, papa, dans ton parle, je l'ai évoqué tout à l'heure, comme Malkadi Lakainou. Oh, le timounan, mon Dieu, papa, laisse à monter, le mauvais esprit à monter, les jeter la tête, bouche les cumin, oh, toutes sortes de bagailles sorties, roi des rois. Mais nous connons un contrôle, papa. Nous connons un contrôle, Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu réel, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu de tout le temps, tu n'as pas changé. Bon Dieu Israël là, bon Dieu Isaac là, bon Dieu Jacob là, bon Dieu Moïse là, bon Dieu peuple Israël là, qui te fait peuple Israël là passer dans la mitan la mer rouge à pied sec et à bras étendus. C'est même bon Dieu soyez matin, papa, ou pas changer. Matin, c'est peut-être ça n'a prélé dans le matin. Matin, c'est peut-être ça n'a invoqué non au matin. Matin, Seigneur, c'est peut-être ça n'a d'où venir parler au mon Dieu, papa, pour bien aimer nous, cap tendez nous, pour bien aimer nous, Seigneur, qui malade, pour bien aimer nous, Seigneur, qui a un problème toutes sortes, qui par ouest pour aussi au monter, si au descendre, Seigneur des Seigneurs. Mais ça me connaît matin, Seigneur, qui a venu parler pour vous. Ça me connaît matin, Seigneur, qui a dit un mot pour vous. Ça me connaît matin, Seigneur, capable de faire intervention pour vous. Nous connaissons, mon Dieu, papa, on remet nous tout le temps. Par aimer, ouais, nous avons souffri, Seigneur. Mais il y a un peu de monde qui a souffri matin. Il y a un peu de monde qui a souffri dans la vie, mon Dieu, papa, de chaque jour. Il y a besoin de parler pour vous matin. Il y a besoin de dire un mot pour vous matin, Seigneur. Il y a des gens qui sont malades, médecins condamnés, Seigneur. Il y a des gens qui sont capables de supporter une maladie des années, wadewa. Moi qui prie, Seigneur Jésus, oh, je prie au roi des rois comme l'apôtre Paul. Gen moun matin, Seigneur Jésus, qui comme l'apôtre Paul, kap invoke nom, mon Dieu Papa, kap mande grâce, kap mande faveur du Tout-Puissant. Mais on dit oh, grâce, moi suffit pour vous. Seigneur, sou dit, bien aimé nous, ça matin, mais nous réclamer la force d'en haut.
Nous réclamons, Seigneur, des Seigneurs, la force d'en haut. Nous réclamons, Seigneur Jésus, qu'on kembe main, qu'on kembe pied, qu'on kembe l'esprit, pas quitter au vaciller, pas quitter au décourager, mon Dieu, papa. Oh, mais nous remettons chaque monde dans mon matin, qu'on écoute antenne Radio Miroir, qu'on écoute Radio Miroir d'Haïti devant, papa. Au nom de Jésus, nous m'adons parler pour bien aimer nous. Au nom de Jésus, nous m'adons agir au Seigneur des Seigneurs pour bien aimer nous. Nous mettons chaque monde sur les oies dans mon papa. Ça ou qui malade, nous m'adons guérir au nom de Jésus. Fais-y agir foyou. Fais-y kembe la foyou dans au même moment du papa. Fais-y pas douter, Seigneur Jésus. Fais-y connaître même bon Dieu hier là et même bon Dieu ça jeudi. Fais-y connaître, Seigneur Jésus. Oh, wade wa ou la pou yo, même si tout moun abandonne yo, mais ou même wade wa ou même Seigneur des Seigneurs, ou campé pou yo, ou avec yo, mon Dieu papa. Nous met chaque moun vraiment matin dans mon papa. Ou kon problème chaque moun, ou kon difficulté chaque moun, ou kon situation chaque moun matin, chaque moun maison d'une manière différente, papa. Moi même moi gen problème pam, Seigneur des Seigneurs, moi besoin yo. Moi besoin au Seigneur des Seigneurs d'une manière. Gen l'autre monde au Seigneur des Seigneurs qui besoin d'une autre manière. Et au nom de Jésus, nous demandons autant pour papa. Agis pour bien aimer nous, matin, papa. Gen monde qui besoin, mon Dieu papa. Et mando également, Seigneur, comme passage là, mon Dieu papa, enseignez-nous, encouragez-nous. Fais en sorte, mon Dieu papa, les nous dans le combat yo, pour nous chercher. Fais en sorte, mon Dieu papa, pour susciter dans nous, mon Dieu papa, des guerriers ou des généraux, mon Dieu capable de dire, Seigneur, les nous dans le combat yo, pour nous prendre sac nous, les nous dans le combat yo, pour nous prendre nat nous, les nous dans le combat yo, pour nous prendre drap yo, mon Dieu papa, pour nous défier ennemi, mon Dieu papa. Nous avons des myriades de soldats avec nous, mon Dieu papa. Oh, même si nous pas ouais yo, mais nous connaissons, Seigneur, yo là pour nous. Yo là a veillé sur nous, mon Dieu papa. Bon Dieu qui a veillé Israël là, bon Dieu qui a veillé Abraham là, bon Dieu qui a veillé nous matin, bon Dieu qui a veillé servante qui serviteur le matin, il pas dormi Seigneur Jésus, il c'est même bon Dieu ça hier là, il c'est même bon Dieu ça pour toujours, ou pas un homme de variation là au même. Papa mène nous devant matin, n'a prié en grâce papa. Suscitez dans cœur nous, mettez dans cœur nous pour nous jeûner ou pour nous chercher. Mettez dans cœur nous, Seigneur Jésus, pour nous chercher présence ou pour nous rester bon côté ou comme dit chant, pour nous chita bon côté ou pour nous rester bon côté. Tant écrit nous matin, Seigneur, c'est écrit que nous fait monter vers au même matin. Nous besoin parler pour nous. Nous besoin, Seigneur, qu'on renforce la vie nous pour nous pas douter au Seigneur le Seigneur. Mais nous pouvons garder la foi nous dans nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui disons que nous avons la foi comme nous avons grain de sénévré. Papa, nous besoin la foi. Nous besoin de transporter mon taille. Nous besoin de défier l'ennemi. Nous besoin de parler à problème. Nous besoin, mon Dieu, papa, qu'on kembe nous malgré preuve, malgré difficulté. Nous besoin kembe main nous matin, papa. Seigneur, mais nous mettons vraiment chaque monde devant matin. Au nom de Jésus, nous demandons kembe nous. Parlez pour nous, mon Dieu, papa. Fais-nous décréter des jeûnes. Fais-nous décréter des moments de prière. Les combats sont trop lourds pour nous, papa. Les combats sont trop lourds pour nous, mon Dieu, papa. Maman, nous fais en sorte à ce que nous décréter des jeûnes et de prière, mon Dieu, papa. C'est là nous sommes capables de jeûner délivrance. C'est là nous sommes capables de jeûner guérison. Parce que nous, ouais, Seigneur, c'est vous-même en personne qui t'es dit disciple, ça, papa. Oh, il y a quelques démons, il y a quelques maladies. Oh, yo ka sorti seulement quand nous jeûnons, quand nous prions. Ça montre, Seigneur Jésus, que la prière, c'est une importance capitale. Oui, Seigneur des Seigneurs, la prière, c'est une importance capitale. Mon Dieu, papa, l'autre pays, l'autre bagaille, Seigneur Jésus, pas qu'à faire pour nous, mais ça qui ka font bagaille pour nous matin, c'est la prière, c'est le jeûne. Donc, mon Dieu, papa, suscitez dans cœur nous, mettez bonne volonté dans la vie nous, mais nous dans combat yo, et nous dans problème yo, Seigneur, pour nous tourner vers nous même, pour nous prendre sac nous, pour nous évoquer non, papa. Attendez nous devant, nous demandons bonne foi, et nous demandons aider nous à servir, mon Dieu, papa, pas quitter nous décourager par les vents, par les soucis, par les aléas de la vie, mais au contraire, la mi-temps danger, la mi-temps problème yo, fait que même nous en l'air, mon Dieu, papa. Et n'attendre secours, papa. À
matin, nous comptons sur vous, Père, nous disons merci. Tous nos regards favorables sur nous, tous nos regards sur chaque auditrice, nous, sur chaque auditeur, nous, sur Frère Daniel et sa famille, sur nos bien-aimés, mon Dieu Papa, que j'ai cité les noms qui tiennent cette émission. Au nom de Jésus, je remets chacun de nous en tout temps, Père. Soit pour nous un rocher, soit pour nous un abri, soit pour nous le lion de Juda. Et nous remettons tout en tout temps, Seigneur. Louange à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur des Seigneurs. Nous te remercions, Père. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, glorifié. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. Oui, et mes bien-aimés, effectivement, nous allons terminer. J'ai dépassé déjà les minutes qui m'ont été attribuées. Donc, ayez le regard fixé sur Jésus. Sachez que, comme je l'ai dit, il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Le nom de Jésus, mes bien-aimés, a une puissance que les démons ne peuvent comprendre. Oui, quand nous citons le nom de Jésus, l'ennemi a des problèmes. Donc, dans nos soucis, dans nos problèmes, tournons nos regards vers le Maître, vers le Seigneur des Seigneurs, capable de tout faire. Frère Daniel, je te remercie, cher ami. Et moi également, je te conseille de tourner le regard vers Jésus, de nous confier en lui. Et je te repasse l'antenne. Je te dis merci, vraiment merci infiniment, mon cher ami. Que Dieu jette un regard favorable sur toi et toute ta famille. Je dis bon courage à chacun de vous. Bon courage à vous, auditrices. Bon courage à vous, auditeurs. C'est bonne journée pour certains, bonne nuit pour d'autres, bon après-midi pour d'autres. Donc, je remets vraiment chacun de vous et devant les trônes de grâce, également nos bien-aimés du côté d'Haïti. Soyez bénis, mes amis. C'était votre bien-aimé, le frère Carlo. Un énième réel plaisir d'être avec vous sur l'antenne Radio Miroir. Frère Daniel, je te repasse l'antenne. Je vous embrasse tous. Merci, cher ami. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen, amen. RMH Web Radio vous présente tous les jours Prière Matinale. De 6h à 7h, présentée par Dani L et son équipe Prière Matinale. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Le repas du départ, le petit déjeuner à ne pas manquer. Tous les jours, du lundi au vendredi, sur Radio Miroir d'Haïti. Merci Frère Calo, merci pour la prière de ce matin. Que Dieu te bénisse encore ce matin, mon frère, et que Dieu t'inspire encore et encore, et rester dans la paix et rester dans le bras de notre Sauveur Jésus-Christ. Et encore, les amis, je vous remercie, vous qui êtes connectés, qui êtes branchés. Et ne pas oublier Frère Daniel dans vos prières, et car, comme je vous l'ai dit, et encore, nous sommes là ce matin, mais c'est parce que vraiment, on n'a pas voulu rester au lit ce matin, parce que on le sait, et depuis et jeudi, on n'a pas pu être là, donc on a tenu bon d'être là ce matin, en espérant que demain, ça va aller aussi mieux et que nous serons encore là demain pour continuer ce travail de prière matinale. Et encore merci, merci à vous et vous qui nous supportez et vous qui priez pour nous. Donc merci encore et que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et encore une belle journée dans le Seigneur et je salue vraiment tout le monde qui est branché, qui est connecté ce matin.
Je vous salue dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je vous laisse dans la paix. Et que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Et à demain, si tout va bien. Merci. RMH Web Radio vous présente tous les jours Prière Matinale, de 6h à 7h, présentée par Dany L et son équipe Prière Matinale. La prière est la clé du matin et le verrou du soir, le repas du départ, le petit déjeuner à ne pas manquer. Tous les jours, du lundi au vendredi, sur Radio Miroir d'Haïti. Sur Radio Miroir d'Haïti, du lundi au vendredi, démarrez la journée avec Prière Matinale, de 6h à 7h, avec l'équipe de la Prière Matinale, présentée par le frère Daniel Loisir, dit Dany L. Le vendredi, démarrez le week-end avec Évangélique Compas Show de 20h à 22h. Louange, adoration, compas évangélique et analyse de l'actualité du secteur évangélique en live sur RMH avec Dany L. Et le samedi, venez débattre de 20h30 à 22h30 sur RMH, débat et analyse sur l'actualité en Haïti avec Jean-Sorel Nadé, Franck Dumas Le Sage, Lou-Marc Hubert et Loukolouk avec votre animateur Daniel sur RMH et en live sur YouTube et Facebook. Alors, n'attendez plus, écoutez Radio Miroir d'Haïti non-stop. Écoutez Radio Miroir d'Haïti sur www.rmhaiti.fr 24h sur 24, 7 jours sur 7. Un programme varié vous attend avec des musiques de louanges et d'adoration. Restez informés avec nos flashs d'actualité, de sport et de météo. N'attendez plus, branchez-vous sur Radio Miroir d'Haïti en continu. Écoutez Radio Miroir d'Haïti est disponible sur tous les réseaux sociaux. Rejoins-nous Facebook, YouTube, Insta et même TikTok. Suis Radio Miroir d'Haïti.